Europe 1, 8h34. Et voici la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Jeudi matin, jour de sortie des hebdos, il est question de votre bien-être. Le nouvel observateur, bipolaire, le nouveau mal du siècle. Et le point, les vrais jeunes, ces 80 ans et plus qui nous bluffent. Alors Jean Dormesson en une, à l'intérieur du journal Philippe Bouvard, Paul Bocuse, Philippe Tesson. Et puis les indispensables conseils pour garder votre jeunesse. En gros, si on traduit, hein, des amis et du plaisir. D'ailleurs, le bonheur est dans le pré, la République des Pyrénées. René titre ce matin, les centenaires sont plus de 100 en Béarn. Allons bon. Ça fait envie, on va y aller. Mais comme la vie n'est pas que plaisir, les conflits s'invitent en une ce matin. Le Figaro, conflits sociaux, la police craint une montée des violences. Et Libération, après l'assassinat de l'opposant tunisien Chokri Belaïd, la révolution trahit. Alors justement, la Tunisie. Mais oui, il y a les optimistes qui parlent de l'émergence d'une deuxième révolution. Pour Jean-Marcel Bougreau, dans la République des Pyrénées, tout se passe comme si l'opposition laïque, qui n'avait pas su s'unir face aux islamistes, retrouvait une seconde chance. Et dans Libération, François Sergent prévient, après des décennies de despotisme, l'apprentissage de la démocratie et de l'état de droit ne peut être que difficile, long et tendu. Mais il ajoute aussi, à propos des Narda et des frères musulmans égyptiens, à lire la pratique du pouvoir de ces mouvements, islamisme et démocratie ne sont pas compatibles. Les plus lucides feront remarquer que seuls quelques gentils naïfs pouvaient le croire. Et les pessimistes, eux, voient le pays basculer. Dans l'Union, Hervé Chabot parle d'un climat de guerre civile. Libération est allé interroger Abdelwahab Medeb, poète, écrivain, immense connaisseur du soufisme, ce courant spiritualiste de l'islam, et auteur de « La maladie de l'islam, un essai sur l'islamisme ». Il voit dans les sociétés tunisiennes et égyptiennes une fracture entre deux conceptions inconciliables de la religion et de son rôle dans la société. D'un côté, dit-il, une conception intolérante, intégralement construite autour du dogme, autour du licite et de l'illicite. De l'autre, un islam traditionnel, ouvert, celui des musulmans qui disent « laisser la religion telle qu'elle a fonctionné jusqu'ici ». Il parle de la résistance des fonctionnaires, de toute cette société civile imprégnée de laïcité et de cette chance de la Tunisie, ne pas posséder cette manne pétrolière qui permet d'étouffer sous l'argent les aspirations des peuples. On le sent, l'issue de cet affrontement est cruciale pour qui croit en l'émancipation des peuples arabes. Une étude à lire dans Le Monde, une étude sur le Front National. Oui, c'est la une. Le FN réussit à se banaliser mais échoue à imposer ses idées phares. Comme tous les sondages sur les idées du Front National, celui-ci fait parler, hurler même, au scandale. Moins de la moitié des sondés considèrent que le FN représente une menace pour la démocratie. Pire, 44% le définissent comme un parti de droite patriote attaché aux valeurs traditionnelles contre 43% qui voient en lui une extrême droite nationaliste et xénophobe. Alors il y a bien sûr les analyses sur la porosité des électorats du FN et de l'UMP, le constat que certains de ces discours sont désormais portés par la droite traditionnelle, le mot dédiabolisation, l'adjectif décomplexé. Mais comme l'écrit Jacques Camus dans La Montagne, gardons-nous de ces cris d'alarme qui accompagnent généralement les sondages sur le Front National. Évitons les appels à la mobilisation générale. Ben oui, et regardons plutôt le détail des réponses. Seuls 29% des Français sont favorables à la sortie de l'euro. Et 73% sont opposés à la préférence nationale. L'enseignement de ce genre de sondage, c'est que la posture morale des 30 dernières années est inefficace et qu'il serait temps de parler politique. Les flics ont le blues, on en parlait dans le journal de 8h tout à l'heure sur Europe 1. Oui, la sécurité est une des préoccupations des Français dans les sondages justement, mais ceux qui sont censés la garantir vont mal. C'est le Parisien qui nous en parle d'abord, il titre « Les policiers de terrain ont le blues ». C'est une étude du centre de recherche en management qu'il révèle. Trop de chefs et pas assez de bras, politique du chiffre, inflation de la paperasse et des tâches administratives, insultes de la part des usagers, les flics souffrent de voir le cœur de leur métier attaqué. Mais surtout, nous dit le Figaro qui détaille les chiffres, ils se sentent mal aimés. 85,5% pensent que la justice discrédite leur travail en relâchant facilement les délinquants. 87,1% pensent que la presse tend à dévaloriser leur rôle. Ça, c'est pour nous. Gardien de la paix, fonctionnaire de la République, visiblement, plus personne ne comprend la noblesse de ces mots. Et puis, les questions aussi dans la presse de cette fameuse et éternelle politique agricole commune. Mais oui, on est en pleine discussion sur le budget européen. Alors, Libération revient sur cette politique agricole commune que la France défend becs et ongles, tout en rêvant de la réformer, et elle est seule. Car la PAC, ce sont 80% des subventions qui vont à 20% des agriculteurs, souvent les plus riches. Jusqu'à 300 000
l'euro, nous dit Libération, qui servent à certains à acheter des appartements. Avec la bénédiction de la FNSEA, le syndicat ultramajoritaire, qui joue si souvent les grands céréaliers contre les éleveurs et les maraîchers qui, eux, sont au bord de la ruine. C'est le grand malentendu entre la France et ses agriculteurs qu'elle aime. Quand les céréaliers sont montés à Paris sur leurs tracteurs en avril 2010 à l'appel de la FNSEA qui ne voulait pas redistribuer la PAC, les Parisiens les ont applaudis, croyant qu'ils défendaient l'agriculture française alors qu'ils la tuaient. Le clin d'œil du jour. Alors, le Figaro littéraire consacre ce matin un dossier à ce choix existentiel des écrivains. L'amour des chats ou celui des chiens ? Houellebecq décrivant la capacité de confiance de son chien Clément. Lovecraft expliquant que l'amateur de chiens est un type normal, civique en diable, très famille, donc banal quoi. Et ce mot très joli d'Ira Lewis, dramaturge américain. Le chien pense, ils me nourrissent, ils me protègent, ils m'aiment, ils doivent être des dieux. Le chat pense, ils me nourrissent, ils me protègent, ils m'aiment, je dois être un dieu. Finalement, on se dit qu'un petit sondage sur les chiens et les chats, ça nous en dirait autant sur les Français qu'un sondage politique. Merci beaucoup, Natacha Polony. Je vous signale aussi...